Bonjour à tous. Alors moi c'est Céline, Céline Ficelle sur Instagram et Ficelle sur Ravelry et je suis ravie de vous retrouver pour un 23e épisode de podcast Tricot. Alors nous sommes jeudi 22 février, il fait un temps pourri, donc la lumière c'est toujours pas ça, mais bon vous avez l'habitude, donc voilà, vive la Normandie. Et c'est la veille des vacances scolaires, donc je profite de cette journée où c'est calme pour vous tourner cette petite vidéo parce que j'ai plein de petites choses à vous raconter. Donc merci à tous d'être là. Merci aux nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que mes petites vidéos vous plairont. Et merci aux personnes qui reviennent à chaque vidéo. Merci beaucoup pour vos commentaires qui me touchent beaucoup. Vous avez encore jusqu'au 28 février pour commenter le podcast numéro 22 pour tenter de gagner un patron. Voilà, pour fêter le premier anniversaire de la chaîne. Donc, je vais peut-être pas me représenter. Bon, je suis Céline, j'ai 40 ans, j'habite en Normandie. Et je tricote depuis que je suis enfant, mais particulièrement en circulaire depuis maintenant 4 ans. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver et je vais vous montrer ce que j'ai terminé. Il y a quelques ouvrages terminés, il y a très peu d'en cours, mais ça ne va pas rester longtemps comme ça. Allez, on commence, hein. Premier ouvrage terminé, sans trop de surprises. J'ai réussi à finir les chaussettes pour mon amoureux, qui sont donc les chaussettes Amour de chaussettes du livre de Stonnitz, qui est ce livre Chaussettes pop à tricoter. Donc, c'est le patron. J'ai mis des petits marqueurs, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, c'est ce patron. Voilà, qui sont de très jolies chaussettes. C'est la couverture d'ailleurs, c'est la photo de couverture. Donc c'est le livre de Charlotte Stone. Donc ça, c'est la version française. Et donc, j'ai tricoté deux chaussettes pour mon mari, pour la Saint-Valentin. J'ai réussi à les terminer à temps. Voilà. Alors, il y a eu plein d'aventures avec ces chaussettes. Enfin, plein. Déjà, je vais vous dire, je les ai tricotées en or de chez Drops. Coloris noir 02, coloris principal le gris, c'est le coloris 05. Voilà, je vais vous dire exactement les quantités que j'ai tricotées. Je crois que je les ai marquées normalement. J'ai préparé un pourtant, mais comme c'est mes petites fiches, je ne sais pas où j'ai mis ça. Là. Alors, j'ai utilisé exactement la pelote du coloris principal. Pour une chaussette, il m'a fallu 26 grammes sur 50, donc sur une pelote. Donc, il m'a fallu deux pelotes. Et pour le coloris gris, il m'a fallu... Non, je vous... Oui, c'est ça. Il m'a fallu 30... Je suis en train de me dire que je ne sais pas ce que j'ai noté. J'ai utilisé pour une chaussette, c'est bon, j'ai marqué correctement. Désolée. J'ai utilisé pour une chaussette 26 g de noir.
Donc, ce qui fait 52 grammes pour deux chaussettes. Et en gris, j'ai utilisé 34 grammes de gris pour les deux chaussettes. Voilà. Donc, il faut moins d'une pelote de Nord pour le gris. Et il faut deux pelotes, en gros. Oui, parce qu'il faut un peu plus d'une pelote pour le noir. Voilà. Alors, j'ai fait la plus grande taille. J'ai fait donc les 72 mailles. Donc, c'est la taille 3 dans le livre. Et un 44. Donc, c'est une grande pointure, on est d'accord, hein. J'ai tricoté en 2,25 les côtes, le talon et les pointes, et en 2,75 pour le jacquard. Alors, elles étaient trop grandes. Voilà, c'est ça la petite aventure. Je m'en suis rendu compte quand j'ai tricoté que c'était quand même très large. Après, je voulais que ça passe. Mais là, pour le coup, c'était vraiment très large. Donc, j'étais passée en machine. Et là, elles ont feutré. Je le savais, hein, la Nord, elle feutre en machine à 40 degrés. Bon, après, ça se voit parce que la définition de point, du coup, est moins jolie. De loin, ça va. De loin, ça va. Mais quand je voulais mettre près, je pense que vous allez voir que voilà, ça a feutré. Mais il aimait. Et elles sont plus à sa taille. Maintenant, elles sont un peu difficiles à enfiler. Mais il aimait. Donc, bon. Il est content quand même. J'avais dit s'il y a besoin, je te les refais avec ou une autre paire. Et puis il m'a dit non, non, c'est bon, je mets celle-là. Donc voilà. Alors, on démarre par les côtes. Alors, je ne sais pas si j'ai suivi. C'était des côtes torse. Et moi, je n'ai pas vu en fait. J'ai fait des côtes de deux classiques. Ensuite, on fait un rang avec des augmentations. On fait une autre grille de jacquard qu'on répète un certain nombre de fois. Un talon à rang raccourci, mais avec une technique qui est bien. Enfin, pour moi, cette technique, elle est spécifique à Charlotte Stone. Je ne l'ai jamais retrouvée dans d'autres patrons de chaussettes. Maintenant, c'est pas compliqué. Ensuite, alors on a fait le talon avec. Enfin, moi, je prends des aiguilles double pointe, pas double pointe, des grandes circulaires pour faire les talons. Je repasse sur mes mini, je fais mon reste de pied, un certain nombre de centimètres jusqu'à la pointure désirée en fait. Et après, on fait une pointe en 2,25. On reprend les aiguilles de 25 pour faire la pointe. Alors, j'ai tout suivi hein, du patron, sauf la taille d'aiguille du coup pour le jacquard, parce qu'elle la préconise en 2,50 et moi je passe en 2,75 pour être sûre que ça passe. Et en plus, la nord, c'est pour ça que c'était un peu large en fait, c'est parce que la nord, elle est plus épaisse. Et du coup, c'est plus de la sport finalement que de la fingering. Parce que je pense qu'avec une laine classique à chaussettes, ça passe sans problème en 2,75. Au moins, je suis sûre que mon tissu, il est assez. Et alors, pour vous, je peux vous montrer, mais comme ça a feutré l'intérieur, il est pas terrible. Vous allez voir, regardez. Moi, je ne fais pas suivre mes fils du tout. C'est tout en flot lâche. Ça permet plus d'élasticité aussi. Et quand c'est pour un adulte, franchement, je vois pas l'intérêt parce qu'il va faire attention en enfilant sa chaussette. Donc voilà pour ces chaussettes que j'ai adoré tricoter, vraiment. Ça m'a redonné le mojo chaussettes que j'avais un peu perdu ces derniers temps. Parce que je crois que la dernière paire de chaussettes que j'avais tricotées, c'était mes rayures. C'est la rayure là. Et en fait, je crois que j'aime pas tricoter les chaussettes à rayures. Parce que, enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça m'ennuie. Donc voilà. Mais je pense qu'en fait, j'ai juste des passes où j'aime bien faire un style de chaussettes. J'en fais plein comme ça. Après, je passe à un autre style de chaussettes. Donc chaussettes cœur. C'est ça le nom, je crois, oui. Bon, je sais plus. Amour de chaussettes. Voilà, un super patron. Enfin, de toute façon, ce livre, c'est une pépite. Hein. Donc voilà pour le premier ouvrage terminé. Deuxième ouvrage terminé. Mon châle Pierre de Stephen West. Je vous montre. Je vais me reculer. Oh, ça tremble. Il est pas magnifique. Alors, ce châle,
un vrai bonheur aussi. Donc, c'est le châle Pierre de Stephen West. C'est un châle qui se tricote en déca. J'avais envie de tricoter un châle, mais pas en fingering sur le moment, quand j'ai eu envie de reprendre un châle. Et je me suis dit, j'ai pas trop de déca moi en stock. C'est pas une laine que j'ai beaucoup, encore moins de teinturière, j'en ai pas. Et du coup, je me suis dit, je vais doubler mes fingering pour faire un châle en déca. Parce que j'avais des écheveaux solitaires, en fait, de fingering. Donc, pour le coloris A, qui est celui-ci, donc le lavande, c'est du Lolila Fée. Donc, c'est son Merino fingering coloris lavande, qui fait 400 mètres... pour 100 grammes, mais c'est des pelotes de 50 grammes, donc 200 mètres 50 grammes. Donc coloris A, il me reste ça. Donc j'ai pesé, il me reste 33 grammes sur mes 100 grammes. Donc j'ai utilisé 77 grammes. Voilà. Donc 77 grammes pour faire la première section. Donc on commence le châle. Par contre, je suis désolée, il a déjà été porté. Donc, il a déjà un petit peu, voilà, vieilli. Donc, on commence ici. On fait des côtes sur juste quelques mailles. Après, on vient remonter sur notre rang de montage des côtes pour partir de l'autre côté. Donc, on a mis en attente par là. On arrive ici. Et après, en fait, on vient relever pour commencer. Donc là, on reprend nos mailles. On relève des mailles sur la bordure et on reprend nos mailles en attente, ce qui fait que ça nous permet de commencer, hop, l'arrondi comme ça en aller-retour. C'est un châle qui se tricote, c'est que des points simples, il n'est pas compliqué du tout. C'est un patron en anglais, ça j'ai pas précisé, celui-ci il est en anglais, il n'a pas été traduit en français, mais c'est du codage hein. C'est du codage pur et simple. Je n'ai pas eu une seule hésitation, et pourtant je vous l'ai déjà dit, moi les patrons en anglais ça me fait un peu peur. Là, j'ai pas eu une seule fois une hésitation sur une traduction, sur ma compréhension en anglais. Parce que c'est que du codage. Je pense que les patrons de Stephen West, c'est vraiment beaucoup de codage. Une fois qu'on sait à quoi correspond knit, purl, enfin, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, on a une bordure en côte qui est tout le long du châle. Cette bordure-là, on la retrouve tout le long du châle, ok. Là, on a du point mousse, après on a des petits trous-trous, on a des côtes torse, re des petits trous-trous, des petits triangles qui est un jeu de maille en droit, maille en vert. On refait un peu de trous et là, on vient alterner donc le coloris A et le coloris B. Alors, là, c'est un jeu de maille en droit et maille en vert, hein, c'est tout. Coloris B, j'ai utilisé... la tricot et stitch. C'est le coloris Garden Prince. Et donc c'est la qualité Merino avec du nylon et du lurex. 400 mètres pour 100 grammes. Donc c'est la lurex fingering, la base. Donc ça, j'avais acheté ça au Bigou de laine. J'en avais un écheveau. En fait, de ce coloris-là, j'en ai un écheveau en lurex et un autre en stellina. Et je m'en suis pas rendu compte parce qu'en fait, j'ai pas acheté sur le même salon. J'ai acheté celle-là en lurex sur le salon des Bigou de laine. Et j'ai racheté... Non, je l'avais acheté au l'écheveau des mers et l'autre je l'ai acheté au salon des Bigou de laine parce que j'avais pas fait attention que la première c'était du lurex et pas du stellina. Bon bref. Donc j'avais pas envie de les mettre ensemble du coup parce que je trouvais que même si le coloris est le même, il y a une grosse différence au niveau des paillettes. Parce que donc celle-ci c'est des paillettes argentées alors que la stellina c'est des paillettes dorées. Donc là et donc cet écheveau-là, je l'ai utilisé en entier. J'en ai même pas eu assez. Je vais le remettre sur l'endroit, c'est mieux. Donc là, on vient alterner donc le coloris lavande des Garden Prince. Après, on fait une partie en espèce de poinderie que j'ai loupée complètement. Bon, tant pis. J'ai eu plein
de problème sur cette section. C'est moi qui n'étais pas attentive à ce que je faisais. Ensuite, on arrête, on prend que le coloris B. On fait des trous-trous, on refait des côtes, torses, semi-torses. Parce qu'il n'y a qu'une maille qui torse. On fait des jetés, on fait de nouveau les petits triangles. Et donc, comment je vais... Ça se voit. Enfin, ça se voit. Moi, je le sais parce que... voyez, j'ai pas pu terminer ma section. Là, on voit que j'ai dû commencer mon coloris C plus tôt que prévu. Faut le savoir, hein. Mais c'est pas grave. Hein. Ensuite, donc, coloris C, c'est toujours de la tricot et stitch. C'est la base Stellina Fingering et c'est le coloris Home Sweet Home qui m'a gentiment été offert par Mélanie. Merci Mélanie. Et donc c'est cette couleur, elle est juste magnifique. C'est un de mes violets préférés. C'est un violet fuchsia en fait. Moi j'aime beaucoup quand ça tire un peu sur le fuchsia à paillettes. Voilà. Donc là on fait de nouveau des rayures endroit en vert. De nouveau des jetés, de nouveau des côtes semi-torses. Et ensuite, on vient prendre donc celle-ci, colorisée. Pareil, je l'ai utilisée entièrement. Je n'ai même pas eu assez pour terminer ma section. Donc pareil, j'ai dû utiliser mon coloris D pour commencer un peu plus tôt. Mais c'est pareil, c'était l'histoire de quelques mailles. Hein. Et donc là, on termine avec notre coloris D, qui est là, par contre, c'est pas de la tricot stitch, c'est de la fée-fil. Pareil, offerte par Mélanie. Merci Mélanie. La fée fil, c'est le coloris pensé, et c'est de la 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Et donc de ce coloris, il me reste 3 grammes. C'est pareil, ce violet profond là, il est magnifique. Vous avez les... C'est pour ça que j'ai pas allumé la lumière artificielle, parce que là avec le Velux, la lumière elle est plutôt correcte. Même si c'est pas très lumineux, mais vous avez la bonne couleur. C'est un violet très profond. Et donc il m'en reste 3 grammes. Et donc sur cette dernière, pour faire juste cette petite... vous voyez, il n'y a pas large, hein, mais comme il y a beaucoup de mailles, en fait, les chevaux, ils partent à toute vitesse. Donc on finit toujours par cette petite bordure en côte. On a fait des trous-trous, et là c'est une bordure en dentelle à vagues. Très simple, qui est superbe. J'adore cette finition, je trouve... Enfin, moi, j'aime beaucoup les finitions en vague, alors bon. Donc, oh, je vous ai pas dit ce que je portais, je suis en train de me dire. Bon, c'est pas grave, je le fais juste après. Donc, grand châle. Super, très intéressant à tricoter parce qu'on s'ennuie pas. Alors, même si les derniers rangs sont très, très, très longs, il faut dire ce qu'il y a. Mais en fait, c'est des petites sections, donc on a envie d'aller à la prochaine section. Vous voyez, la dernière fois, du coup, au dernier podcast, je crois que j'en étais là. Je crois que je vous avais parlé de cette section, que j'avais déjà fait plein d'erreurs, donc je devais en être par là. Puis je vous ai dit, oh, je vais le faire tranquillement, il va encore durer quelques mois. Puis en fait, d'un coup, je me suis dit, bah non, j'ai envie de le finir. Je viens de le mettre, c'est un chaland des cas, donc c'est maintenant, quoi. Et j'en suis super contente. Je sais même pas si je vais le garder pour moi ou si je l'offre à ma grand-mère, parce que la dernière fois que je suis allée la voir, je lui ai dit, oh, j'aimerais bien te faire un beau châle. Je lui ai dit, est-ce que ça te plairait? Elle m'a dit oui, beaucoup. Et bah, j'ai dit, si c'est ça par contre, parce que je vais devoir lui envoyer par la poste ou parce que je vais peut-être pas attendre de la revoir, j'ai dit, bah, dis-moi les couleurs que t'aimerais, parce que... Et elle m'a dit, oh, bah, tu sais que j'aime bien le violet. C'est pas ma grand-mère pour rien. Donc quand je l'ai en le faisant, du coup, parce que je l'ai commencé après avoir été la voir. Et je me suis dit, oh, j'adore. Enfin, non, je vais peut-être le garder pour moi parce qu'il y a l'Hélène que Mélanie m'a offerte. Mais je vais peut-être lui refaire le même, du coup. Avec un dégradé de violet. Et pas forcément d'Hélène teinte main. Parce que ma grand-mère, elle n'a pas l'habitude de laver. Et... Enfin, elle lave à la main, ce qui est fragile, mais elle fait beaucoup de machines. Alors, je me dis, si c'est pour qu'elle passe en machine, ça va peut-être pas. Non, bah, je vais le garder pour moi, c'est sûr. Voilà, ma décision, elle est prise, je le garde pour moi. Et je vais lui refaire le même, je pense, avec un dégradé de violet. Peut-être même avec un peu de bleu marine
qui partira sur du violet ou... Ouais, ça va être ça, mon prochain... Bon, je vais pas le faire tout de suite, parce que j'ai pas envie de refaire ça tout de suite, mais je vais... c'est ce que je vais faire, je pense. Parce que l'épaisseur est vraiment chouette. Je trouve qu'un châle en déca, j'en ai pas beaucoup, hein. Je crois que c'est le deuxième que j'ai en déca ou troisième. Et en fait, pour mettre sur les épaules, parce que là, c'est un châle, pour le coup, moi, que je pense mettre très souvent sur les épaules. Un châle de mamie, quoi. Oh là, j'ai bougé le pied, désolée. Parce que là, c'est un châle et que elle portera aussi sur les épaules. Donc, enfin, il est vraiment très très chouette. J'aime bien l'épaisseur de ce châle. Bon, puis les laines sont splendides. Donc voilà, un super patron, un super tricot. J'ai beaucoup aimé. J'en suis très contente. Donc ça, c'est mon deuxième ouvrage terminé. Ensuite. J'ai eu de nouveau envie de faire des chaussettes. Je vous ai dit, les chaussettes cœur, ça m'a vraiment redonné le mojo chaussettes jacquard surtout. Parce que j'aime vraiment. Bon, j'ai déjà dit, j'adore tricoter le jacquard. C'est ma technique préférée de tricot. Maintenant, en pull, j'aime bien tricoter aussi des pulls en jacquard. Mais j'avoue qu'en chaussettes, c'est. En fait, c'est un petit projet qui va vite. Et du coup, bah, ça procure du bonheur tout simplement. Voilà, moi ça me procure beaucoup de bonheur. Et le jour de la Saint-Valentin, je crois bien, donc le 14 février, Charlestown, que je suis sur Instagram, je ne devrais pas parce que voilà, j'adore tous ses patrons, j'ai le livre, mais j'adore tous les patrons qu'elle sort. Bref, elle met une publication comme quoi elle a fait un cours Domestika, ça s'appelle, donc sur le site Domestika, je vous mets le lien en barre d'infos. D'ailleurs, tout ce dont je parle, je mets les liens en barre d'infos. Et donc, elle dit qu'elle a fait un cours Domestika sur apprendre à tricoter des chaussettes colorées, ils appellent ça colorées. Et le cours était en promotion, en fait, à 6,90 € quelques heures. Je sais tricoter des chaussettes en jacquard, mais j'avoue que j'étais très curieuse de voir le cours pour notamment donc son talon, que j'ai eu du mal sur les... Quand même, je ne savais pas si je piquais correctement l'endroit où il faut relever la maille. Et j'avais envie de voir sa technique. Et en plus, je trouve cette personne... Enfin, je trouve que Charlestown, elle dégage quelque chose de très bienveillant. Ça a l'air d'être quelqu'un de très fun, donc je me suis dit, bon, 6,90 €, c'est le prix d'un patron en fait de chaussettes quasiment, et en plus il y a toutes les vidéos, ça peut être que du plus, et je regrette vraiment pas. Donc j'ai acheté le cours, donc 6,90 €, je sais pas à combien il est en tarif plein, et donc avec ce cours, on a un patron de chaussettes, et donc elle explique pas à pas. Pour faire ses chaussettes, tricoter ses chaussettes. Et voilà ce que ça donne. Donc ce sont les chaussettes jardinières. Donc dans les fichiers complémentaires de cette vidéo, de ces vidéos, vous avez donc le patron des jardinières socks. Donc le patron est en anglais, lui. Hein. Le cours est en anglais. Il y a des sous-titres. Donc vous avez le choix des langues. Moi, bien entendu, j'ai suivi en français les sous-titres. Et c'est. Enfin. Ça donne un. Enfin, moi, je comprends un peu l'anglais. Je comprenais pas tout, mais je comprenais un petit peu. Mais j'ai beaucoup suivi avec les sous-titres. Et le cours est vraiment adapté aux débutants. Même ceux qui n'ont jamais tricoté de chaussettes, franchement, je pense qu'ils peuvent largement tricoter une paire de chaussettes avec l'explication de Charlestown, pas à pas, en prenant son temps. Tout est expliqué, du matériel à utiliser, des laines à utiliser, le montage, les mailles en droit, les mailles en vert, tout est expliqué. Donc c'est vraiment un super cours. Alors, ces chaussettes, donc, on les commence par le montage, qui n'est pas le montage habituel que je faisais. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui faisais mal mon montage ou si c'est un montage un peu particulier. N'empêche que j'ai... En suivant la vidéo, j'ai fait exactement le montage qui est préconisé. Et effectivement, c'est très élastique. J'ai jamais eu un montage si élastique. Donc voilà. On fait des côtes 1-1. Classique. J'avoue que
j'aurais peut-être pu faire des torses, mais j'ai voulu tout suivre comme sur le cours en vidéo pour justement pour vous redire après derrière ce qu'il en était. Donc là, j'ai tout suivi exactement pareil. Ensuite, on fait des augmentations pour faire notre diagramme de jacquard. On vient insérer donc un premier coloris. On fait nos petites fleurs. Donc il faut savoir que dans le patron, dans les annexes du patron, vous avez le choix entre 5 grilles différentes de fleurs. En fait, c'est le motif de fleurs qui change. Moi, j'ai choisi le motif du patron initial. Vous avez des cœurs, il y a des tulipes, enfin, c'est super joli. Du coup, on peut faire 5 paires de chaussettes différentes avec le même patron. Je suis d'accord avec vous que c'est juste ça qu'on change, mais quand même, c'est sympa. Ensuite, donc, on fait notre motif de jacquard, qui est super bien expliqué. Elle fait tout pas à pas avec vous en vidéo. On vient faire une dernière petite bordure. Alors après, elle dit qu'on peut soit faire juste 2 rangs, je crois, ou augmenter si on veut. Bon, moi, j'ai fait un petit peu plus de rangs que recommandé. J'ai fait 5 rangs, je crois, ici, parce que je trouvais que ça tirait un petit peu sur le motif de jacquard après avec le coup de pied. Ensuite, on vient faire un talon, donc le talon à rang raccourci, qui est expliqué, qui est super, en fait, qui est super chouette ce talon. Et je piquais au bon endroit. Donc j'avais bien. En fait, la première fois que j'avais fait le talon de Charlotte Stone comme ça, c'était sur les chaussettes Alien de ma sœur. Et comme c'était sur du noir, j'avais beaucoup, beaucoup galéré. Mais déjà sur le gris pour les chaussettes cœur, ça avait été mieux. Là, bon, là, on voyait super bien. Je trouve la finition de ce talon super propre, quoi. Vraiment. Ensuite, on vient tricoter notre pied. Et on vient tricoter la pointe. Super chouette. Vraiment, alors je me suis régalée hein, à tricoter ces chaussettes. C'était très motivant en plus avec la vidéo. Ça a été très très vite. Donc j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Je trouve ce cours de grande qualité. Donc les laines que j'ai utilisées pour le coloris principal, c'est de la yarneline. Les exclusives. Du coup, c'est le coloris Flore, 400 mètres 100 grammes, 75 mérino, 20 grammes nylon, 5% stellina or. Il est superbe ce coloris. Alors, j'avais acheté ça en salon pour mettre avec un autre coloris de yarneline. Et en fait, ça n'allait pas ensemble. Et je ne me voyais pas du tout faire ça en châle ou quoi. Ce n'est pas mes couleurs. Quoique j'aurais pu carrément le mettre avec du kaki en fait. En fait, c'est un espèce de rose orangé avec des petits speckles verts, kaki. C'est vrai que ça aurait été pas mal aussi avec un pull kaki en châle. Bon, et ils sont dans des chaussettes, j'aime beaucoup. Et en plus, il m'en reste. Donc là, pour faire ma paire complète. Je vais vous dire parce que je viens de peser justement pour vous donner les bonnes quantités. Pour vous dire ce qu'il fallait en quantité. Donc j'ai utilisé 48 grammes. Ah oui, parce que c'était un écheveau de 110 grammes. Heureusement que je l'ai pesé. Parce que d'habitude, je ne pèse pas mes écheveaux avant de commencer à tricoter. Je pèse ce qui me reste. Je pars du principe qu'un écheveau, ça fait 100 grammes. Et là, il faisait 110 grammes l'écheveau. Heureusement que j'ai pesé avant. Parce que peut-être qu'il me paraissait plus gros, c'est peut-être pour ça que je l'ai pesé, je sais pas. Du coup, il y a quand même 10 grammes de différence. Donc, si je vous avais dit il faut 38 grammes pour faire la paire, enfin non, carrément pas. Alors, moi j'ai fait la deuxième taille, 64 mailles, et je fais un 39 pour vous donner approximatif. Donc, ça c'est la 48 grammes pour le coloris principal. Ensuite, j'ai réutilisé mon bougainvillier, j'ai pas l'étiquette, donc de Bulbe Bizarre. Parce qu'il m'en reste, alors il est tellement beau ce coloris que j'essaye de le mettre un peu partout. Donc voilà ce qui me reste. J'ai utilisé donc pour le jacquard, le talon, les pointes, 15 grammes. Et ça ne demande pas grand-chose hein, quand on regarde. Avec un mini, ça passe. Hein. Mini de 20 grammes, ça passe sans problème. Hein. Ok. Bougainvillier, Bulbe Bizarre, Mérino Nylon. C'est la socle super fine, je crois, elle appelle ça. Ensuite, mon vert, c'est toujours de la Bulbe Bizarre. Ça commence à réduire là.
Ça, c'est le coloris, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je suis désolée. Bon, de toute façon, elle n'a pas 150 000 coloris. C'était les coloris de printemps qu'elle avait fait l'année dernière. Ah, zut. Non, bah, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, juste pour le vert, là, j'ai utilisé 3 grammes. Un reste, ça suffit. Hein. Et ensuite, pour le violet très très foncé, parce que j'avais pas envie de mettre de marron. Normalement, c'est du marron, mais c'est pas du marron là. Mais c'est du violet qui tire sur le marron. Hein. J'ai utilisé un reste pareil des petites potions, mais elle ne teint plus. Hein. Donc c'était le coloris mercredi. Et là, il tire plus sur le marron dans la caméra. Mais c'est plus un violet hein. Très foncé. Et pareil, j'ai utilisé 3 grammes. Pour faire juste les pots de fleurs. Donc voilà pour ces chaussettes jardinières que franchement, si vous avez peur de tricoter des chaussettes en jacquard, que vous avez besoin d'un support vidéo, bah franchement ça vaut le coup. C'est vraiment un super cours de chaussettes. Et enfin voilà, ça rend. Enfin, ça me fait des petites chaussettes super sympas, quoi. Voilà. Hop, donc ça c'est troisième ouvrage terminé. Et le dernier, et pas des moindres. Alors je l'ai terminé hier soir. Donc c'est le Pulmaric, édition DK. Donc c'est celui qui est sorti à l'automne dernier. Donc il n'est pas bloqué. Je vous le montre, mais il n'est pas bloqué puisque je l'ai terminé hier soir. Je me suis dit, si je le mets à tremper, parce que souvent, moi, même si je termine un ouvrage à minuit, il va direct aux mains, j'attends une demi-heure et je l'étends pour le bloquer. Mais là, je me suis dit, si je fais ça, il ne sera jamais sec demain. J'avais m'étais dit que peut-être j'allais tourner la vidéo, donc j'ai dit, non, bah, je ne fais pas ça, parce que sinon, il va être trempé et trempé, quoi. Il ne sera pas du tout sec pour tourner. Donc voilà ce que ça donne. Je vous le passe pas, je le mettrai sur une prochaine vidéo. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit ce que je portais. Je fais une petite parenthèse. Je porte, oh bah, c'est du long avec Anna aussi. Bon, c'est noir, alors on voit rien. C'est le gilet. Ah bah là, vous voyez. C'est le gilet Silverleaf. Donc de E-Long avec Anna, que j'ai tricoté en or et kid silk de chez Drops. Hein. Donc c'est juste un gilet col rond avec un I-cord, petite boutonnière, des raglans et de la dentelle sur les manches. C'est la seule particularité de ce. Voilà. Il est très facile. Enfin, c'est un gilet que je porte assez souvent. Bon, déjà, il est noir, alors c'est pas mal dans une garde-robe, un gilet noir. C'est le seul d'ailleurs que j'ai. Et j'aime bien la coupe. Et le châle, c'est le Happy Place. Je sais pas, faut que je vous l'enlève. De Nadia Crétin-Léchaine. Alors ça, c'est pareil, c'est un vieux, vieux châle. C'est un châle avec une arête centrale. Et tricoté en tricot et stitch, je sais pas les noms des coloris. Ah, j'ai une maille tirée. Ah bah oui, vous voyez. Et puis pas qu'un peu. Hein. C'est pareil, je le porte très souvent celui-là. J'adore les couleurs en fait. Il y a du violet. Il y a un qui tire un peu sur du rose quand même. Et puis j'aime beaucoup ce vert. Très flashy. Donc c'est un châle qu'on commence par cette pointe. Et c'est que des jeux de dentelle, rayures, côte, mousse. Voilà. J'avais beaucoup aimé le tricoter et je m'étais même dit que je le referais un jour. Et puis bon, bah, tellement de patrons de châle que je ne l'ai jamais refait. Mais j'aime beaucoup ce châle. J'aime bien beaucoup les châles asymétriques, de toute façon. Surtout ceux avec les arêtes centrales comme ça. Donc voilà pour ce que je porte. Petit aparté terminé. Donc, mon pull Maric, édition DK. Donc, c'est un pull
qu'on commence par le col, mais pas forcément. Elle explique dans le patron qu'on peut soit commencer par le col avec un montage provisoire, parce que c'est un col double, qu'on vient coudre après en même temps qu'on tricote, ou alors pour celles qui ne se sentent pas de le faire, on commence par le jersey directement et on revient à la fin de l'ouvrage relever le col et tricoter le col double pour abattre après. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait aucune des deux options. Moi, j'ai fait un montage normal, un classique, et je suis venue repiquer dans mon montage pour recoudre en même temps mon col double que j'ai recommencé deux fois. Je vous l'ai expliqué la dernière vidéo, donc je ne vais pas reprendre, mais il était de travers. Voilà, j'avais commencé mon jacquard avec un autre coloris, ça ne me plaisait pas, c'était pas assez contrasté, donc j'ai recommencé pour me rendre compte que mon col était de travers, enfin les côtes étaient de travers, donc j'avais tout défait, j'avais juste gardé mes rangs de côtes. Je m'étais arrêtée juste là en fait. Et j'avais recousu correctement le tout. Donc voilà, là je suis contente du résultat final. J'aime les couleurs, j'aime le col, comment il tombe. Je vous mets de travers un peu, donc c'est un très beau pull. Alors, donc on commence par le col ou pas. Ensuite, on vient faire donc un yoke en jacquard avec des augmentations intégrées. C'est un jacquard simple, pas trop en français, hein. Il est aussi en anglais, mais il est traduit en français. Donc c'est un jacquard très simple. On n'a jamais besoin de croiser les fils. Voilà. C'est vraiment, je crois que le maximum de mailles qu'on a entre ces trois ou quelque chose comme ça. Ouais, trois, quatre peut-être. Donc c'est juste, il y a plusieurs motifs en fait de jacquard, des grilles qu'on suit au fur et à mesure en même temps qu'on fait des augmentations entre les motifs de jacquard. Vous n'avez pas les augmentations pendant le jacquard, c'est entre les motifs de jacquard qu'on a des rangs d'augmentation pour le yoke. Ensuite, on vient faire quelques rangs en fonction de la taille qu'on a choisie. Ah oui, quelle taille j'ai fait? Oh, je crois que j'ai fait la cinquième taille. Marie-Pierre. J'ai fait la taille 103,5 cm, je crois que c'est la cinquième taille. Elle a beaucoup de tailles longues avec Anna, non, c'est pas trop moins. Donc on vient faire un petit peu de quelques rangs avant de séparer les manches du corps. Ensuite j'ai fait un corps en jersey, on finit par des côtes 1-1, classique. Alors herbique là parce que c'est pas bloqué, hein. Quand il va être bloqué ça va pas herbiquer. Classique. J'avoue que j'ai hésité mais de faire des côtes semi-torse, mais comme dans le col, c'est pas des côtes semi-torse, je me suis dit ça va faire bizarre. Donc j'ai pas fait ça. J'ai fait un rabat classique. J'ai même pas eu envie de me casser la tête. Ensuite, on reprend les manches. On tricote des manches toutes droites. J'allais dire, ça fait des rayures, mais à l'écran, c'est que à l'écran parce qu'en vrai, ça fait. Surtout que j'ai alterné mes échauds de mohair et de fingering. Des manches toutes droites, sans diminution. Ouais, incroyable. On va en faire des diminutions à la fin. Et des côtes. Et là, j'ai fait un rabat à l'aiguille. Parce que sur ça, j'accepte. Non, des fois, je le fais sur le corps aussi, mais là, j'avoue que j'ai pas du tout envie. Les manches comme ça mange beaucoup, beaucoup de laine. Hein. Faut le savoir. Hein. Parce que moi, d'habitude, un pull fingering dans les tailles 105 grand max centimètres, j'ai pas besoin de 3 échevaux de chaque fingering et mohair. Là, j'ai bien bien attaqué mes troisièmes échevaux. J'ai utilisé. Je vais vous montrer les laines en même temps. J'ai utilisé 1000 mètres de fingering et 990 mètres de mohair. Donc, voici mes laines. Alors, pour le coloris principal, nous avons de la laine amourée. Oh, la lumière. C'est la Athéna 100% Mérino. 400 mètres 100 grammes coloris. Une olive dans la tagine. Coup de cœur que j'ai eu au salon du CSF. Il est vraiment très beau, même tout seul. Je pense que ce coloris-là, il fait un. C'est une merveille. Et pour le mohair, c'est la qualité toujours de chez Lina Mouré. Ah, là, par contre, la lumière, là, c'est pas terrible. Hein.
C'est la qualité Orphée, 72% quinoa air, 28% soie, 420 mètres, 50 grammes. Toujours une olive dans la tagine. Et du coup, le mohair est beaucoup plus clair. Hein. Vous voyez, il y a une grosse différence quand même. C'est le même coloris. Et sur le mohair, ça rend plus clair. Mais j'aime beaucoup l'effet que ça fait chiner en fait. Moi, j'aime beaucoup le chiner. J'aime quand il y a de la variation. J'aime pas l'uni. C'est comme ma vie, quoi. Après, il en faut pour tous les goûts. Hein, parce que, alors, j'ai toujours l'impression que quand je dis des choses, on prend ça pour argent comptant. Mais faut savoir que moi, je pars du principe qu'il faut de tout dans la vie. Il en faut pour tous les goûts. Parce qu'on est tous différents. Et que bah, ce que moi, j'aime, c'est pas forcément ce que les autres aiment. Et ce que les autres aiment, c'est pas forcément ce que moi, j'aime. Je trouve que, voilà, justement, on a la chance de vivre dans une époque où on a beaucoup de choix, où on peut aimer plein de choses et il faut en profiter un maximum. Parce que avant, je fais une digression là, mais avant, il fallait que tout le monde rentre dans des cases, on devait faire tous pareil. Enfin, je trouve que maintenant, on a la chance quand même de pouvoir justement montrer ce qu'on aime, enfin, avoir des goûts différents et il faut en profiter vraiment. Et donc, moi, j'aime les couleurs. J'aime les choses variées, j'aime les speckles, j'aime. Et voilà quoi. Et moi, ma vie, elle me rend heureuse comme ça. Et donc, la laine, c'est pareil. Bon, voilà, petit aparté. Et donc, pour le coloris naturel là, de mon jacquard, j'ai utilisé un combo tout simple de laine Nord de chez Drops. Coloris 01, c'est le naturel. Et pareil, la Kid Silk Drops, coloris 01, naturel. J'aime beaucoup ce combo, Nord Kid Silk. Ça fait vraiment du très beau, très belle chose. Et donc voilà ce que ça donne. Pull, enfin, c'est pareil à tricoter, c'est du bonheur, hein, ce patron. Très bien expliqué, très bien détaillé, sans trop de détails. Pas de prise de tête, manche toute droite. Enfin, alors moi j'ai raccourci les manches. Je crois qu'elle préconise 37 cm plus les côtes. Moi, je fais toujours des... Ou non, oui. Je crois que j'ai raccourci un tout petit peu. Pas grand-chose, finalement. Parce que quand c'est des manches bouffantes, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de bouffant. Donc, il faut que je les fasse un peu plus longues. Et le corps, je crois que je l'ai diminué un petit peu aussi. J'ai dû faire 32 cm de corps. Mais moi, je suis petite, donc... Et j'ai pas un grand buste, en plus. Parce que 40 cm, clairement, ça me fait des robes, quoi. Donc, voilà. Vous le verrez porter, hein. Je vous montrerai porté. Je vais pas faire de photos. De toute façon, je peux pas faire de photos. Là, il n'est pas bloqué. Et en plus, il fait un temps pourri. Et c'est prévu pour plusieurs jours. Et oui, c'est les vacances demain soir. Ça va être sympa s'il fait mauvais. Bon, bref. Voilà pour mes ouvrages. J'ai tricoté. Oh, je vous ai dit aucun numéro d'aiguille. Bon, en même temps, enfin, je tricote l'âge. Donc, ma tension n'est pas forcément la même que tout le monde. Là, j'ai tricoté en 375. Le jersey et le jacquard et en 3,25 les côtes. C'était pas ce qui était préconisé. Les chaussettes jardinières, je vous ai pas dit, j'ai tricoté en 2,25 les côtes talons jersey et pointe et j'ai fait le jacquard en 2,75 aussi. Voilà. Et le châle de Stephen West, je l'ai fait en 5 mm, je crois. J'ai respecté ce qui était marqué sur le patron. J'ai bien fait. Je pense que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai pas eu assez de fil, hein, parce que je tricote plus large sûrement que lui. Donc voilà pour mes ouvrages terminés. On va passer aux encours. J'en ai pas beaucoup, parce que bah, j'ai terminé le Mariec hier soir, donc forcément, voilà. Et j'étais dans un mojo plutôt de me dire, je fais ce que j'ai entamé et je vais commencer après, parce que je suis très indécise sur la suite. Enfin, pas pour tout, mais pour l'échelle notamment. Donc, j'arrive pas à me décider, en fait. Gros problème. Gros souci de tricoteuse. Donc, premier encours que vous avez déjà vu. Mais qui se termine quand même. C'est donc le Magnolia Chunky que je tricote en trio. Merci Marianne pour le patron. Parce que c'est Marianne qui m'a offert le patron. Et donc on est à trois à le tricoter en même temps. Et donc c'est un patron de Camille Havad. J'ai déjà fait le pull et là c'est la version du coup cardigan chunky.
Et donc, pour tricoter ce pull, ce gilet, je le tricote en Katia Pluton. Donc c'est le coloris 60 que j'ai acheté en solde. Donc ça se compose de 53% acrylique, 30% coton, 10% laine, 7% alpaca. Donc oui, c'est pas une qualité de foufou, hein, on est d'accord, mais ça fait carrément le job. Et moi j'avais beaucoup aimé la couleur, donc un coloris naturel, chiné, avec un petit fil marron dedans. Et j'aime beaucoup le chiné. Donc voilà, c'est des grosses balles de 100 grammes. Et ça fait 100 grammes, 160 mètres. Donc et ça, normalement, enfin, c'est pour un échantillon de 15 mailles, tricoté en 5,5. Le patron, c'est 16 mailles, je crois. C'est ça, en 6 mm. Donc moi, comme je tricote la hache, je crois que je ne suis pas partie sur le 6, je suis partie sur le 5,5. C'est ça. Et j'ai bien fait parce que j'ai quand même que 15 mailles, je crois. Mais bon, c'est pas... je fais la taille 2. Enfin, je fais la deuxième taille qui est 103 cm. Donc, c'est pas grave pour un... Enfin, je trouve pour un gilet de cette forme-là, s'il est un tout petit poil plus large, c'est pas bien grave. Et donc, voilà où j'en suis. Donc j'ai terminé le corps. Et j'ai commencé la première manche. Alors, c'est un gilet qu'on démarre par le col, en côte, semi-torse, ok, quelques rangs. Et ensuite, c'est un yoke. J'avais jamais fait de... Je crois que j'ai déjà dit. Hein. J'avais jamais fait ça. En fait, c'est un gilet avec des augmentations en circulaire, en yoke. C'est pas un raglan. Mais ça rend bien. Après, à voir ce que ça donne aux portées. Mais ça change. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a séparé les manches et le corps, on attaque presque aussitôt la dentelle. Vous voyez, je vais vous montrer. Là, on a la séparation et la dentelle, elle démarre là. Il y a vraiment trois ronds, un truc comme ça. Et donc, on fait cette dentelle du Magnolia. C'est la même dentelle que sur le pull, je crois. Sauf que du coup, elle est en bas, alors que sur le pull, elle est dans le yoke. Enfin, il y a différents patrons avec ce motif-là. Il n'y a pas qu'un pull et un... Il y a une robe aussi. Enfin, il y a plusieurs. Il y a un t-shirt. Et donc, c'est un motif de dentelle qui n'est pas... Bon, il y a des manips à faire, hein, mais il n'y a rien de foufou. C'est des SSK et... Enfin, des GGT et puis deux mailles ensemble. La seule difficulté, c'est les nœuds, quoi. Et des côtes torses. Semi-torse. J'aime bien les nœuds. Je trouve qu'elles rendent bien. C'est 6 mailles, c'est sur 6 mailles. Et ça fait des nœuds. Bon, c'est un peu relou à faire. Moi, j'aime pas faire les nœuds. Mais là, pour le coup, il y en a 4 par motif. Hein, donc, il y a le rang où il y a 2 nœuds à chaque fois. Là, ça a été un peu long. Mais moi, j'aime bien le motif comme ça, en fait. C'est la fleur. Et donc, on finit par un... En fait, le motif se termine par des côtes torses. Et donc, on finit avec des côtes torses, ce qui prolonge, je trouve, le motif de dentelle. Et elle nous fait faire un rabat qui est pas mal du tout. Bon, c'est un rabat que je connaissais, mais j'avoue que j'avais jamais fait sur un bas de... Et ça fait une jolie bordure, je trouve, sur un bas de gilet. Et donc là, j'ai repris ma manche, du coup, qui est toute droite. Non, n'importe quoi, il y a des diminutions. Sauf que j'ai changé le motif... Normalement, les diminutions se font plus rapidement parce que c'est des manches 3/4 sur le patron. Mais moi, je ne veux pas des manches 3/4, je veux des manches longues. Donc, j'ai augmenté le nombre de rangs entre les diminutions. Là, je suis arrivée à mon nombre de diminutions. Et je pense que je ne vais pas tarder à attaquer le motif de dentelle parce que par contre, il n'y a aucune indication de... Comme c'est des manches 3/4 dans le patron, elle ne dit pas de tricoter jusqu'à tant de centimètres, machin. C'est tricoter tant de rangs, faire le motif de dentelle, plus les côtes. Donc moi, j'ai fait mes calculs
à la wall again. Je me suis dit, la dentelle, elle fait à peu près 6 cm. Il faut faire 4 cm de côte. Ça fait 10 cm. Donc, je tricote jersey endroit jusqu'à 30 cm pour avoir des manches de 40 cm. Je ne sais pas du tout si cette qualité va s'allonger. Donc, dans le doute, je l'ai fait vraiment pile poil 40 cm. Je ne fais pas plus parce que je ne veux pas des manches trop longues. Je préfère avoir des manches un peu plus courtes. Parce que moi j'ai toujours des montres, j'ai toujours des bracelets, donc en fait j'aime pas du tout avoir des manches longues et ça me gêne en plus au quotidien. Donc voilà, j'espère que vous le verrez. J'aime bien le rendu de la laine. Hein. J'aime beaucoup ce que ça fait et puis là ça va faire chic. Enfin, je pense que ça, en fait ça va être un gilet qui va être entre les deux. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, je vais pouvoir le porter sur une robe, faire un petit côté chic, mais je vais aussi pouvoir le porter sur mes jeans pour faire un côté, bah je porte ça tous les jours quoi. J'aime beaucoup. Et j'ai pas beaucoup de pulls clairs. Enfin, gilet. Gilet clair, je crois que j'en ai pas. J'ai que des foncés. C'est des pulls clairs que j'ai. Donc voilà. Je sais pas encore les boutons. Je vais peut-être mettre des boutons en nacre. Je me demandais justement, je me disais, hey, ça serait bien que tu aies les boutons avant de le terminer. Ou en bois. Ah oui, parce que comme il y a du chiné marron, ah, des gros boutons en bois, ça peut faire super bien, je pense. En plus, j'en ai. Je le regarde là-bas parce qu'ils sont là-bas. Donc voilà pour le Magnolia Chunky qui est en cours, qui avance bien. Le patron en anglais me semble moins évident que le patron du pull. Il y a plus de blabla, j'ai l'impression. Bon, après, ça se tricote quand même. Hein. Donc c'est ça mon premier en cours, qui est le plus actif là. Enfin, plus actif, j'attends les copines quoi. Donc je le tricote avec Marianne et Sylvie, on a, voilà, c'est sympa, on s'attend, on discute, voilà, c'est plutôt sympa. Donc ça c'est le premier ouvrage en cours. Deuxième ouvrage en cours, j'ai monté ça, je vous ai dit que je voulais un bonnet violet. Du coup j'ai monté un hipster hat de petite knit, parce que j'avais pas envie de refaire un Oslo. Mais je crois qu'en fait j'aurais dû. Je sais pas, il manque même le bouchon. Il manque un bouchon. C'est parce que ça, c'est mon ouvrage qui est. Mon petit sac qui est dans mon sac à main. Donc, bon, je vais quand même vous expliquer. Mais là, clairement, je l'ai mis de côté, j'y touche pas. Bon bref. Je vais quand même le faire. Hein. Est-ce que j'ai les bonnes explications? Donc c'est le hipster hat. Que j'ai déjà fait. Hein. C'était un patron que j'ai déjà tricoté. Une ou deux fois, je sais plus. Je le fais en laine de chez Jawol, non, de chez Lang, c'est la Jawol, laine à chaussettes. C'est le coloris 380, c'est ce violet que j'adore. Je voulais un bonnet violet, je me suis monté un bonnet violet. Mais c'est pas le, hein, c'est pas long cours le plus excitant de la vie, hein. Donc voilà, c'est un. Bon, j'ai presque rien fait là. Je sais même pas si je vais pas le défaire. Bon, je vous le montre. Dans le doute, je verrai si je le défais ou pas. Donc c'est un bonnet en côte, hein. Tout simple. Un certain nombre de centimètres, il y a une couronne de diminution. On fait un revers. Et voilà. Mais bon, c'est pas très excitant à tricoter. J'aime pas trop les côtes en fait. Tricoter les côtes sur tant de centimètres. Bon bref, je verrai. Je verrai. Donc je le fais, je les tricote en. Je crois que j'ai pris plus serré. 3,25 il me semble. Comme on voit rien sur les Xiaohu, 3,25. Je crois que c'est préconisé en 3,5. Mais moi je voulais un tissu un peu serré. Qui va même pas peut-être aller jusqu'au bout. C'est pas grave. C'est ça le tricot. Et donc un en cours. Alors, c'est un en cours parce qu'il est en cours. Mais à la base, c'est un ouvrage terminé. Je vais vous expliquer ça. Donc, dans ma folie de chaussettes jacquard, j'ai décidé de faire les prochaines chaussettes en jacquard. Mais avant, j'avais une paire de chaussettes qui me trottait dans ma tête. L'été dernier, je me suis tricoté les chaussettes glace. Que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc c'est le premier patron que j'ai fait du livre. C'est ça, chaussette à la glace. Hop. C'est celle-ci.
J'avais un vrai coup de cœur pour ce patron. Du coup, l'été dernier, je me suis dit, allez, je tricote la paire. Donc, j'ai utilisé la laine de chez Bulbe Bizarre pour le coloris principal, que je n'ai pas l'étiquette et je n'ai pas le nom. J'ai utilisé de la Jawohl pour faire tous les contrastants. Donc, le beige, la fraise, là, le cornet, donc... je sais pas, le coloris un peu moutarde comme ça, c'est le 250. Je marque dessus parce que comme je défais quand je tricote, c'est pour retrouver. Ensuite, le coloris bleu, c'est le 372. Le coloris rose, je ne l'ai pas encore utilisé, donc il a son étiquette dessus, c'est le 109. Et le crème là, enfin c'est blanc cassé, c'est pas crème. Où est mon étiquette? Je l'avais, alors elle doit y être. Ça c'est le bleu, ça c'est le jaune. Bon, j'ai dû la faire tomber. Bon, je l'ai pas. Bref, donc j'avais tricoté ça. Et puis je les ai bloqués, j'avais fait les deux dans la foulée, hein, très vite. Je les ai bloqués, je les ai rangés, c'était l'été donc je les mettais pas. Et puis au début de l'hiver, là, quand j'ai voulu les mettre, la première que j'avais tricotée, je l'avais essayée en cours et tout ça, nickel. La deuxième, en fait, je ne l'avais jamais essayée. Et là, je viens pour les passer, la deuxième ne passait pas. Bah oui. Parce que j'ai, comme dans mon élan de faire ma deuxième chaussette, je sais pas, je suis allée vite, je n'ai pas vérifié et ma tension était différente. En fait, ce qui bloquait sur la deuxième, c'était ce rang-là. Le rang-là, avec les petites fleurs au milieu, là. Qui faisait un côté beaucoup plus serré parce que les fils sont plus longs. Donc je les avais mises de côté en me disant bon, je verrai ce que je fais. Et puis là dans ma folie de tricoter les chaussettes jacquard, je me suis dit Céline, avant d'attaquer un autre patron du livre, tu rectifies ton erreur avec les chaussettes glace. Donc me voilà attraper mes chaussettes, je découpe les côtes. Ça suffisait pas parce que comme j'avais rentré tous mes fils, donc j'ai carrément découpé tout le jacquard. Vous voyez la différence de... Oh, c'est pas, ouais, c'est pas ouf, mais mon pied passe pas en fait. Donc, j'ai découpé ça et j'ai repris ma chaussette. Alors, je fais le jacquard dans l'autre sens. Parce que franchement, me refaire la chaussette entière, ça me disait rien. Surtout le côté tout jersey, quoi. Encore refaire le jacquard, ça ne me dérange pas. Donc, en fait, je me suis retrouvée ici, en haut du talon. Alors, j'ai peut-être fait un rang de plus. Donc, j'ai repris... Bon, c'est moche, hein, du coup, parce que c'est pas bloqué. Donc, j'ai remonté mes aiguilles ici. J'ai refait mes quelques rangs de jersey là, avec le coloris principal. Ah oui, le truc, c'est que l'autre jour, en farfouillant dans mes restes, j'ai vu cette petite boulette de reste là. C'est Anami, je crois, le coloris. Et je me suis dit, ah, le perds pas, parce que c'est pour tes chaussettes à la vanille, celui-là. Il faut que tu le gardes. Parce que moi, j'ai tendance à, des fois, j'offre des restes, ou je les utilise pour d'autres choses. Et du coup, je me suis dit, non, surtout pas. Ah, bah, c'est quand j'ai fait mon col anti-gaspi. Je me suis dit, surtout, celui-là, tu l'utilises pas parce que tu le gardes pour tes chaussettes. Que je savais que je voulais reprendre. Et donc, là, je suis en train de faire ma grille de jacquard dans l'autre sens. On verra bien. Hein. Je pense que bah ça va sauver le coup, quoi. Pour moi, ça change rien, hein, mais je vous montrerai ça. Donc là, je suis en train de refaire ma grille de jacquard et je vais reprendre après les côtes. Normalement, c'est dans l'autre sens hein, qu'est-ce que tricote ses chaussettes. On tricote des côtes jusqu'à la pointe. Donc là, cette partie-là, elle aura été tricotée dans le bon sens et puis là, l'autre partie est tricotée à l'envers. Et là, ça, j'essaye d'être très très souple. Donc je fais mon jacquard en 2,75. Voilà, voilà. Ça va aller vite. Hein. Donc, c'est un en cours, même, qui compte pas trop, je pense. Déjà, les chaussettes, ça compte pas. Moi, je pars du principe que les chaussettes, ça compte pas. Donc, j'ai que ça en cours, en fait. Mais pas pour très longtemps. Donc, prochain Caston. Là, dès que j'ai terminé mes chaussettes glace. On part en vacances bientôt. Et je voulais monter une paire de chaussettes pendant les vacances. J'aime bien tricoter les chaussettes. Du coup, j'ai dit au plus jeune de la famille, j'ai dit, est-ce que tu veux une paire de chaussettes? Parce qu'en fait, il m'a vu tricoter les jardinières, là. Il était malade, en plus, petit père.
Et donc il était à côté de moi et je tricotais les jardinières, les chaussettes jardinières. Puis il me dit, ah, elles sont trop belles tes chaussettes, j'adore et tout. Je lui dis, bah tu veux des chaussettes, tu veux que je t'en tricote? Oh bah oui. Bon, je tricote très peu de chaussettes pour les enfants parce qu'ils grandissent à une vitesse des pieds, c'est un truc de fou. En plus, chez nous, tout le monde a des grands pieds. Enfin, même les plus jeunes, ils ont des tailles presque adultes, quoi. Donc lui encore, ça va, c'est le plus petit, il a 7 ans et il chausse du 33. Qui est quand même pas une petite pointure hein, pour 7 ans, mais bon, ça reste des chaussettes qui vont se tricoter assez vite. Donc j'ai dit, bah tu veux que je te tricote une paire de chaussettes en jacquard? Oh oui. Alors je lui ai dit, bah tiens, on a regardé le livre ensemble. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Tu choisis. Je vous le donne dans 1000. C'est un garçon, hein, qui est très garçon. Hein. Bon, bah, ça va être les chaussettes d'Halloween. Je m'en doutais. Je savais que ces chaussettes, elles étaient pour lui. Donc, il veut les chaussettes avec les chauves-souris. Alors, je ne sais pas encore si je vais lui faire le jacquard complet sur la chaussette. Je ne suis pas sûre du tout. Je pense que je vais lui faire la tige en jacquard. Je pense que je vais faire ça. Le talon. Et je ne suis même pas sûre d'y faire le talon en raccourci. Je me demande si je ne vais pas y faire un talon double à gousser. Je vais voir. Je vais faire ça en tricotant. Je vais modifier. Et presque sûr que je vais pas faire le jacquard sur la jambe, sur le pied. Je vais le faire que sur la cheville. Parce que pour justement qu'il n'y ait pas trop de difficultés à enfiler. Et je vais faire la plus petite taille. Du coup, je vais faire la taille 1. Parce qu'il a le pied assez large hein, quand même. Donc, je pense que ça devrait le faire. Et puis, bah, je me suis acheté une petite règle à chaussettes. Ah, je ne l'ai pas, remonté. Chez Lily comme tout, j'ai acheté celle pour les enfants que j'avais pas. Exprès pour parce que je suis pas sûre qu'il sera avec nous à la fin, donc pour pouvoir mesurer. Et donc pour faire ses chaussettes, bah, j'ai acheté du orange chez Lily comme tout, parce que ça c'est un coloris que j'ai pas du tout en stock. Je tricote jamais d'orange, j'aime pas l'orange. Je n'aime pas, c'est pas une couleur que je porte. Après, je trouve que ça fait des très belles choses, hein, comme là les chaussettes, ça va être super. Donc j'ai pris la langue, hein, la Jawohl, ma laine préférée à chaussettes. C'est le coloris 159. Et donc pour faire le noir, j'ai de la Fabel en stock de chez Drops, coloris 400. Voilà. Donc ça va monter dès que mes glaces sont terminées. Donc là, je viens de terminer le maric. Donc prochain caston de pull, c'est le Malva. Sweater en déca, donc un joli pull avec une très jolie dentelle sur le bas de Malorae Design. Et pour ce faire, je vais tricoter ça et ça, donc tricot et stitch. J'ai même bobiné, hein, donc c'est comme quoi ça va pas tarder. Tricot et stitch, lune du loup. Donc c'est ce joli grège grisé, gris, rose, bleu. Oh là là, quand je l'ai mis en échaud, en cake, je me suis dit, mais c'est canon. Et par contre, j'ai eu une hésitation. Bon, parce que moi, j'ai de la Kilt Silk, donc c'est le, je sais plus, la 38, coloris 38, je sais plus la dénomination sur Kalidou. Bon, bref. Et après, je me suis dit, donc c'est un espèce de blanc grisé, et je me suis dit, j'aurais peut-être dû prendre du gris, très clair. Je vais commencer comme ça et puis on verra. Mais ça m'embête parce que j'en ai 5 comme ça. Donc j'ai de quoi faire. J'ai pas envie de racheter de mohair. Donc ça, c'est ce qui va aussi là monter peut-être ce soir. Je sais pas. Ensuite, mon hésitation, c'est pour les châles. Oh là 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 là, j'arrive pas à me décider. Soit je monte le châle à l'oreille du bois, de même les anges tricotes avec mon combo de chez Eileen Hélène que je vous ai montré dans ma vidéo précédente. Ou le châle nuit estival de l'atelier des tricopathes avec la laine de l'atelier des tricopathes. Coloris et pétales. Ah non, je l'ai collé l'étiquette. Coloris douceur en pétales. Voilà. Qu'est-ce très beau. Alors, c'est pas compliqué. Si je commence l'oreille du bois, à l'oreille du bois, j'emmènerai quand même celui-là en vacances. Parce que je veux emmener un châle, un écheveau pour tricoter en vacances. Parce que c'est facile à transporter.
Parce que moi, ça m'arrive de tricoter pendant que les enfants font de la luge, ou si on est à boire un petit coup, un thé ou quoi. Donc, je veux pouvoir emmener un petit projet. Et les chaussettes jacquard, je pense pas que je les emmènerai comme ça dans le sac à dos. Je pense que ça sera plutôt ce châle-là. Donc, sur celui-là, de toute façon, il vient en vacances. Donc, ma question, c'est est-ce que je commence à l'orer du bois maintenant, quitte à pas l'emmener ou en vacances, ou alors est-ce que je commence d'abord la nuit estivale, mais enfin, je me dis il sera déjà bien entamé pour la semaine de vacances, c'est un peu dommage. Bon bref, vous voyez mon hésitation qui est ridicule. Hein. Bon bref, et je vais aussi, en revenant de vacances, je vais monter le... Je ne vais pas le prononcer parce que je ne sais même pas comment ça se prononce. De Lucienne Tricote, parce que du coup j'avais prévu de le faire, hein, je vous l'ai montré dans ma vidéo où je prévoyais de faire mes prochains tricots, et donc celui-là il était prévu, pas tout de suite, mais en fait Miss Manu au mode naturel a lancé un cal pour ce patron, pour soutenir Élise, donc Lucienne Tricote, et du coup je me suis dit bon bah pourquoi attendre, je le fais maintenant avec les tricopines. Par contre j'ai pas la laine, attendez je vais vous montrer ça. Non, je trouvais pas parce que c'était rangé dans la caisse justement des projets plus printemps et non pas hiver. Donc pour faire ce pull marinière, ça c'est mon coloris principal au fil d'Horus, gisé soc bambou, coloris beauté du Nil avec en contrastant le coloris Cléopâtre de la même qualité. Donc ça va être trop beau. Surtout, ce que j'aime bien dans ce patron, c'est qu'il y a les dessus là qui sont dans le coloris contrastant. Ça rend super bien. Et je verrai parce que je suis pas sûre en fait, parce que j'ai d'avoir assez de fil, parce que j'ai deux écheveaux seulement, donc j'ai 800 mètres. C'est ça, ça fait 400 mètres. J'ai 800 mètres. Faut que je regarde dans le patron si j'ai pas assez. Je vais peut-être faire les côtes avec le coloris contrastant. Donc voilà pour mes prochains ouvrages. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour les commentaires, les likes, les abonnements. J'espère que ce que je vous présente, ça vous plaît toujours. Merci, merci pour vos petits mots gentils. Continuez, j'adore. Je me suis rendu compte la dernière fois que j'avais des commentaires qui n'apparaissaient pas. En fait, j'ai une personne qui m'a dit que son commentaire sur ma vidéo d'anniversaire apparaissait pas, qui s'effaçait systématiquement. Donc je suis allée vérifier et en vérifiant, je me suis rendu compte qu'il y avait des commentaires qui, moi, n'apparaissaient pas dans mon application qui me permet de répondre. Donc je suis désolée si des fois vous n'avez pas de réponse à vos commentaires, c'est pas du tout de mon fait, parce que moi je réponds à tous les commentaires, pas aussitôt qu'ils apparaissent, parce que des fois je fais ça sur plusieurs, j'attends plusieurs jours pour répondre à plusieurs commentaires, mais tous ceux que j'ai, moi, qui apparaissent dans mon application là, Studio, YouTube, je réponds. Donc j'ai été très surprise de voir qu'il y avait des commentaires sans réponse, qui n'étaient pas apparus dans mon application. Donc j'en suis désolée si ça vous est déjà arrivé. Et donc voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Hein. Déjà, le montage, c'est pas simple. Mais alors après, toute la partie YouTube, mise en ligne et tout, moi je ne maîtrise pas du tout. Hein. C'est vraiment, je fais ça tant bien que mal. Hein. Donc voilà, je suis désolée si vous n'avez pas eu de réponse à vos commentaires, mais continuez à en mettre. Donc je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes vacances s'il y en a qui vont en vacances ou qui sont en vacances. Et bon, bah pour les autres, je suis désolée s'il n'y a pas de vacances, mais profitez bien de vos journées, de vos soirées tricot. Voilà, faites-vous du bien comme vous pouvez. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye!